Alors, il y en a qui sont très pressés de faire la fête, ce sont vos collègues. Ah bon ? On est allés à leur rencontre. Non, faut pas ça. On leur a demandé de nous parler de vous, et alors ils vous adorent, en tout cas ils adorent leur place, ils veulent y rester, ça c'est alors, sûr. Alors vous savez qu'il y a, il y a un turnover, puisque c'est l'expression consacrée, c'est-à-dire un changement de personnel très, très, très faible à Télématin. Mmh. Quand ils sont là, ils y restent 15 ans. Mais comme vous, quoi. Moi, je suis vissé sur ma chaise, mais eux, mais ils font rien qui mériterait d'être viré. C'est vrai. Vous allez voir, vous avez bien raison. Non, ce soir aussi, on les écoute. Avant toute chose, je tiens à dire que nous avons tous les trois couché avec William pour pouvoir faire cette interview. Oui. Les cravates en laine, quand même. Ah ouais. Avec les verticales, avec les voilà. Les traits horizontaux. Il a une explication en fait. Il m'a dit. Le secret, quand t'es jamais à la mode, c'est que t'es indémodable. Il dit toujours, ouais, il y a eu une chronique qui a été très bien ce matin, mais il n'est jamais laquelle. Maintenant, c'est pain complet avec peut-être un petit peu de fromage. On a lâché le sucre, n'est-ce pas, William, ces fromage derniers temps ? Bio. Et fromage bio et maigre. C'est ça, la laine. Voilà. Oui, cette haleine. Tous les matins, avant le début de l'émission, il nous chante Pac-Man devant tout le monde. Non, mais ça, faut le dire, quoi. Il prépare, il révise, il travaille tout le temps. C'est un océan de culture. Ouais, bien sûr. Ceux-là, ils vont rester longtemps, en tout cas. Après avoir dit ça, forcément. Mais c'est pas faux, moi.